Salut tout le monde, c'est PR Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Seven Deadly Sins les amis. Donc c'est parti, alors j'ai eu un petit trophée, donc j'ai réussi, hein. Je l'ai passé la deuxième fois comme d'hab. Hein. Donc la deuxième fois c'est mieux passé, clairement, je l'ai passé aise, même on peut le dire. Alors j'ai eu un trophée, j'ai pas vu ce que c'était, donc notre promesse, les choses se sont arrangées à Guild Thunder. Ah, mais il est temps de voir ça alors. Jeune demoiselle, c'est dangereux de rester dehors, vous devrez vite aller vous cacher. J'ai l'impression d'avoir déjà vu sa tête quelque part. N'était-ce pas la princesse? Oh, petit Gil, tu as toujours été doux et attentionné. Margaret, qui est-ce? Tu as juré quand tu étais petit de me protéger toute ta vie. Si j'avais su à quel point ce fardeau allait te tourmenter, tu as tout pris sur toi pendant plus de 10 ans. Et maintenant, tu es sur le point de blesser la personne que tu respectes le plus. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour moi. On ne trahit pas celui que tu considères comme un héros. Je le vois. Meurs. Tu es Melodias, le héros qui m'a libéré de cette terrible malédiction. Guild Thunder, sale traître. Je ne suis pas un traître, je n'ai jamais été ton allié en premier lieu. Melodias, je m'occupe du reste. Tu n'as pas idée à quel point j'ai pu attendre ça, je vais enfin pouvoir me venger de l'homme qui a tué mon père. Suivez mon cours. J'ai tout vu. Il y a 10 ans, le matin de l'anniversaire de la fondation de Lyonesse, Dreyfus et Hendrickson ont agi ensemble pour tuer Zarathra. Quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. J'ai eu si peur, alors j'en ai parlé à Gil. Mais Viviane nous a entendus. Afin de me protéger, Gil a accepté d'obéir à ses ordres. Je savais que je tenais la princesse Margaret en otage. Je savais également que mon familier surveillait Guild Thunder. Comment, quand as-tu deviné tout ça? Lorsque nous sommes battus à la forêt des rêves blancs. Petit Gil n'est pas le genre d'homme à renoncer à la justice simplement pour sauver sa vie. Quand le combat a commencé dans la forêt des rêves blancs et qu'il a murmuré une incantation, j'ai tout de suite su que quelqu'un le surveillait et que quelqu'un avait été pris en otage. Tu mens, tu n'aurais jamais pu le savoir depuis aussi longtemps, tu t'es battu contre lui de toutes ses forces. Gil a risqué sa vie pour la femme qu'il aime, je n'aurais pas été digne de son amitié si je n'avais pas fait de même. Tiens Arthur, t'en es sorti? Je n'aurais jamais pensé te voir avec Arthur Sued. Merlin, le sanglier de la gourmandise. Ça faisait longtemps, Capitaine. Ah. Tout est fini. Pourquoi pleurer? Rien n'est fini. Notre banquet infernal n'a même pas encore commencé. Vol CVSL, Vod COZEN, que s'éveille le sang démoniaque. Ah. Ah. Je sens une puissante magie noire émaner de ces deux-là. Qu'est-il arrivé à Gila et Jericho? Le sang de démon absorbé par la nouvelle génération est en train de s'emballer. Non, quelqu'un a poussé leur pouvoir à s'emballer. Ouais. Se trouve que j'ai vu un chevalier sacré entrer dans la forêt des rêves blancs, un jeune chevalier. Vous vous rappelez la mort de Sir Zarathra il y a 10 ans? En fait, les Sun n'y seraient pour rien. Il y avait un énorme cachet, ouais, ok. Beaucoup de chevaliers sacrés sont furieux ces derniers temps, ils en ont tous ce regard vide. Et oui, ce fameux regard vide. Nouvelle quête secondaire disponible. Une quête principale, une quête secondaire, on t'ajoute à quête. Alors, obligé magique, toujours rien. Ouais, toujours rien. Et du coup, on a vu Merlin, les amis! On a vu Merlin! Alors, Fury de la nouvelle génération. 5 étoiles! Donc, on est Ban et King. Donc, on va jouer Ban. Ban tous les ennemis. Démon nouvelle génération. Donc, le sang de démon absorbé par la nouvelle génération des chevaliers sacrés les transforme en monstres, forçant Jericho à implorer la mort. Bon, bah, espérons, c'est parti. Hein. C'est parti, j'espère qu'on va y arriver. Avec Ban, ça fait déjà un moment. Donc on a vu le 6e membre des Seven Deadly Sins, mais elle n'a pas officiellement rejoint notre cause. Donc on en reparlera un peu plus tard. Qu'est-il arrivé à Gila et Jericho?
Le sang de démons absorbé par une nouvelle génération est en train de s'emballer. Non, quelqu'un pousseur pouvoir s'emballer, ou le sang l'a déjà vu. Toujours en vie, Hendrickson ? Ok, mène-moi Elisabeth, je t'en prie. Elle est probablement dans le laboratoire de Merlin. Chef, prends bien soin du capitaine. Tu n'as pas à me le dire, je suis son meilleur ami après tout. Ah, ah. Arrête, je ne veux pas te tuer. Alors recule. Que ban. Ban, tue-moi. Je préfère mourir que d'être un monstre. Pas de problème, je vais te tuer. Cette tête de Ban. Bon, Ban et King, qui font équipe, c'est rare. Parce que les deux, ils peuvent pas trop se voir. Oh, putain, il a mis une raclée, là. Oui, oui. Mais par contre, ça a des points de vie, cette merde. Oh. Ah, et par contre, l'ulti de ban, on connaît. Hein. Pas très très utile l'ulti de ban. C'est juste pour infliger des dégâts. Enfin, si, utile pour terminer une game. C'est un atout, quoi. Ah, ouais, ça a de la vie ces trucs-là. D'accord. Ah, je l'avais pas vu en fait. Ah, ok. Ah, ça a de la vie, les amis. Regardez en haut, il y a une petite barre verte là. Je sais pas si vous voulez. Ah merde, j'ai plus rien. Bon, c'est parti, hein. Écoutez, on est des fous. Hein. Alors en fait, c'est une barre verte. Je sais pas si vous le voyez. Tout en haut, regardez bien. Tout en haut, il y a une petite barre. Là, je peux pas vous faire voir, mais. Mais voilà quoi. Pas mal. Ah, on enchaîne bien. Hein. Ah, c'est con. Ah, par contre, on va se reprendre un point là. Eh ouais, on y fait. Oui. Eh oui. Bon, on va attendre qu'on se remet. Ah, super, ça remis. Oula. Bon, il est bientôt mort. Hein. On est presque à tuer cette merde. Cette merdasse, comme on dit. Par contre, j'espère qu'il n'y en a qu'un. Bon, je pourrais encore en tuer un deuxième, cela dit. Mais pas trop, hein, on va pas déconner. Allez, troisième ulti, hein, on est chaud. Non, l'ulti de ban, il est sympa, les amis, mais bon. C'est vrai, contre un gros monstre comme ça, on aurait pas fait mieux. Ah voilà, combat fini. Ok, bon, ça va. Oh, c'est cool. Bah, c'était pas très dur. Hein. J'avais juste évité de se faire combo parce que ça fait très mal ces merdes-là, mais. Je me demande si on pourra en contrôler un hein, en mode duel. Bon, j'imagine que ça a pas du tout de vitesse. Mais par contre, en force, ça en a pas mal. Regarde, tu vois, pour un monstre comme ça, les amis, ça aurait été largement mieux d'Ardian en fait. Je pense que ça aurait été mieux. Son corps se désintègre. Encore un chevalier sacré qui voit sa carrière partir en fumée. Ça n'avait rien de personnel, Jaco. Gila, tu vas bien? Oui, ça va mieux. Alors, dépêchons-nous d'aller protéger Elisabeth et le capitaine. Dès que Ban et moi nous serons débarrassés de la nouvelle génération dans la capitale, nous vous rejoindrons. Tâche de ne pas faire d'erreur, d'accord? C'est toi qui me dis ça. Ils peuvent pas se voir ces deux-là. C'est incroyable. Rang S. Cool. Ah merde, y'a un truc. Un sujet sacré qui ont suivi les Seven Elites. Seven jusqu'à les ailes sont sains et sacs. Ok. Les généraux de chevalier sacré ne seraient pas vraiment ce qu'ils prétendent être. Ces deux-là sont dangereux. Ah merde, il y a encore un truc. Ils disent que si Hendrickson est à l'origine de ce chaos, franchement, je n'y crois pas, j'en ai pas envie. Et ben pourtant si. C'est dur à admettre, mais si. Nouvelle quête secondaire disponible. Ah, nouvelle quête secondaire, oh. Plein de quêtes secondaires à faire. C'est super. Ah bon, bah écoutez, les amis, c'est parti, on voyage. Attendez, par contre, il y a encore un nouveau. Pourquoi nouveau? Quoi nouveau? Y'a un nouveau? Ouais, voilà, les deux trucs sont faits. Ouais, tout est fait.
On va écouter laboratoire de Merlin. Pourquoi pas. 4 principales, une classe secondaire. Ah bah voilà, parfait. La fin d'une tragédie. Modias contre le démon de Rixon. Famille reste soudée. Alors, donc Dreyfus et Gréhamor contre démon de Rixon. Ah oui. Gréhamor, le chevalier sacré, confronte Hendrickson à sa tentative d'enlèvement des abbesses et de résurrection des démons. Dreyfus arrive alors bien décidé à stopper la folie de Hendrickson aux côtés de son fils. Donc, on va contrôler Dreyfus, bah, c'est une bonne chose. On va voir ce qu'il vaut. Oh, ça a l'air d'être un nouveau terrain. Ah, bah c'est super. On va tester ça dans un nouveau terrain, j'ai l'impression. Ah, ouais, c'est un tout nouveau terrain. Ça a l'air pas mal. Tout est bientôt prêt, ma chère. Là, il y a Super Hendrickson. Plus un geste. Gréhamor, je pensais que tu étais mort. Hendrickson, tes sinistres machinations n'iront pas plus loin. Quel enfant inconscient. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Tu n'es pas seul, tu dois être arrêté. C'est mon devoir en tant que chevalier sacré du royaume et en tant qu'ami. Je suis prêt. Allons-y, fils. Oui, père. Voilà, le père et le fils. Bon, alors j'espère qu'il est pas lent. Je pense qu'il doit être lent. Et il est affreusement lent. Ok. Ah, par contre, niveau. Ah, c'est bien, c'est qu'il a le speed. Ce que toutes les personnes devraient avoir. Malheureusement, c'est pas le cas. Oh, le compte. Oh là là. Je peux pas me battre à ce jeu-là, Hendrickson. Alors c'est bien parce que j'ai largement de points de vie, plus de points de vie vu qu'on est deux persos contre un. Ce qui est normal, hein. Alors c'est quand on va tester le petit ulti de Dreyfus. Bon, cette fois il se le prend, hein, je pense. Je pense qu'il se le prend. J'espère. Oui. Ouais, c'est les plis aise. Alors, très très stylé, l'ulti de Dreyfus. Parce que vous l'avez remarqué, en faisant très près, ça marche. Donc, en mode duel, il doit être très violent, Dreyfus. Surtout qu'il a le speed, là. Quand vous appuyez deux fois sur X, vous savez, le boost de vitesse, c'est vraiment bien. Tu es fini, Hendrickson. Tu comptes vraiment battre Dreyfus? Ce que tu es devenu et le chaos que tu as semé dans le royaume, tout est de ma faute. Le seul moyen pour moi d'expier ce péché est de remettre les choses en ordre. Pardonne-moi, mon ami. Dommage, Dreyfus. J'aurais préféré ne pas avoir à te tuer. Ne restitue pas la position dans laquelle tu te trouves. Je vais te tuer rapidement et sans douleur. Père, non! Non! Père! Eh oui, il est mort malheureusement. Alors je sais plus comment il est mort, mais il est mort. Enfin, voilà, il est mort. Mais ceux qui regardent la saison 2, voilà pourquoi je fais A. Voilà, c'est pas vraiment le cas. Branche noire, cool. Il se trouve qu'un chevalier, oui ok, un jeune chevalier. Je me demande si le chevalier sacré qui en suit les Seven. Oui, ça est sauf, ça on l'a déjà vu. Ok, 59%, bah c'est parfait. Déblocage de démon Hendrickson pour un duel. Je pense qu'il doit être très jouable, le démon Hendrickson doit être très cool. Déblocage de laboratoire de Merlin pour mode duel. Très intéressant. Alors, est-ce que je peux créer un objet magique? Et je ne peux toujours pas. Putain, quelle lose. Quelle lose. Mais bon, c'est rien. Alors, la fin d'une tragédie, les amis. Nous sommes partis. C'est bientôt la fin du principal, clairement, autant vous le dire. Donc 5 étoiles, vaincre tous les ennemis temps limité. Joueur Meodias, épée de Lise contre le démon Hendrickson. Meodias sauve enfin Elisabeth et la confie à Hawk, le temps de son combat contre Hendrickson, la source du mal. Ah bah là oui, là on l'a bien compris que c'est la source du mal. Hein. Donc toujours dans le même terrain, c'est un bon terrain, le laboratoire de Merlin. C'est un terrain plutôt sympa. Te voilà donc. Rends-nous Elisabeth. Elisabeth, tiens bon, c'est bientôt terminé. Hawk, tu peux t'occuper d'elle? Bien sûr, rapide et sûr, mais deux qualités principales. Alors vas-y. Maintenant, mettons fin à cette tragédie. N'est-ce pas plutôt le début d'une comédie? Bon. Tu as un contre-un, pourquoi pas. Avec Meodias. Alors il y a moins de points de vie que moi, mais bon, il va vite faire attraper.
Vu comment il enchaîne, ouais, il nous a rattrapé tout de suite. Ah, par contre, c'est pas pareil que. Tu avais. What? Il a rien subi? Ah, enfin, il subit. Tiens, attrape ça. Et là, tu m'as bien enchaîné. À mon tour, tu t'enchaînes un peu. Oui. Oh, il y a bien suivi là. Là, on peut se tenir et la morter. Tiens. Et hop. Ah, le bâtard. Oh, le fils. Oh, son ulti. Bon, moi, on va le voir. Alors, par contre, je me le prends en pleine face. Aïe. Aïe. Ah, je le rate. Je crois que je le rate. Oh, peut-être pas. Oh, il s'est mangé. Ah, il était coriace, hein, Sven Driksen. Il était coriace. Vous avez remarqué qu'il a un mouvement, Sven Driksen là. Sven Driksen là, un mouvement, les amis. En fait, il régène, j'ai l'impression. Enfin, il subit pas de dommages, il y a un moment. Genre, une attaque sur deux, il subit pas de dommages. Sven Driksen. Il semble y avoir une caverne en dessous. Hein? Andy, arrête de te cacher, il vient de battre. C'est celui-là. Oh putain. Captain, il y a quelque chose derrière. Je voulais un corps capable d'accepter sa puissance. Contrairement au sang du démon rouge, aucune créature ne peut survivre au sang de celui-ci. Pas même les humains. J'ai commencé à penser que si je trouvais un corps compatible avec le sang de démon rouge, je pourrais ensuite absorber le sang d'un autre type. Non, il n'a pas. Un démon gris. Nous l'avons découvert il y a quelques années, impressionnant, n'est-ce pas? L'origine et la nature des démons nous sont encore inconnues. Cependant, je sais une chose. Les démons gris sont supérieurs aux rouges. J'aurais aimé pousser mes recherches plus loin, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que... Il est complètement fou. Dreyfus, j'aurais aimé que tu puisses voir ça. Est-ce toujours Hendrickson? Non. Cette chose n'est plus humaine. Mais qu'est-il devenu, les amis? Qu'est-il devenu? Laurent, est-ce qui fait plaisir? Oh oui, ok, ça on le sait. Jean, oui, on le sait. Toujours la même chose. Et il paraît qu'un type recherche des adversaires, ça se dirait. Je peux peut-être encore. Je peux peut-être encore après. Oh, recherche des adversaires? Ah, Sandlissin était de notre côté pendant tout ce temps, et voilà une nouvelle. Eh oui, on est de votre côté, allons, on est le bien. On vous a raconté de la merde après tout. Capitale libérée. Meodias et Pedlis contre démon gris Hendrickson. Hendrickson abandonne son humanité et acquiert le pouvoir du démon gris pour affronter Meodias. Le combat final commence. Bon bah du coup les amis, je crois que là c'est la dernière quête principale. Bien sûr ce sera pas le dernier épisode les amis, enfin on va regarder. Mais normalement, là de la saison 1, normalement c'est la fin là. Là c'est la dernière quête principale, donc c'est parti. On va regarder, écoutez. Quête principale 28. Donc le pouvoir de démon gris. On va voir ce qu'il vaut, oulala. Meodias, quelle magie terrifiante. Ne dis pas que c'est Hendrickson. Il vient d'abandonner toute trace d'humanité. Messire Meodias. Meodias, je savais que tu représentais un danger. Ces ténèbres peuvent engloutir même la plus sombre des nuits, désormais c'est toi qu'elles vont dévorer. Plus personne ne peut te sauver. Bien sûr que si, le grand Hawk est là. Hawk, qu'est-ce que tu fais? Si tu meurs, Elisabeth risque de mourir aussi. Si j'avais su que ça se terminerait comme ça, j'aurais mangé plein de restes avant de venir. Tâchez de rester en vie, mes petits porcelets. Hawk, réveille-toi! Parle-moi comme avant! Non! Je n'arrive pas à croire que tu puisses mourir comme ça! Et Hawk est mort. Cette horrible énergie magique, ne me dites pas. Non, ton sang de prêtresse druide s'est éveillé? L'apôtre de Hadès? Je suis rempli de tristesse. Hendrickson, que vous est-il arrivé? Pourquoi avoir trahi le chevalier sacré et pris tant de vie? Qu'est-ce qui a poussé à tout ça? La libération des démons.
et l'extermination des quatre clans qui nous ont scellés lors d'une grande guerre passée. Pour cela, j'ai besoin de ton sang, apôtre de la déesse. Bon sang, je n'arrête pas de trembler. N'abandonne pas. Tant que les Sun Elixir sont là, il manque Gozer et Merlin. Et Scanor, bien sûr. Qu'on ne parle pas de lui. Oh. Ah, il a 50 000, ah oui. C'est vraiment un combat final digne de ce nom. Hein. Il va être plutôt tendu à battre. Il est trop fort. Non, j'ai réussi à moi gêne. J'ai réussi à avoir un flacon de gêne. Oh le bâtard. Oh, il fait très très mal ce Hendrixen. Il fait très 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 mal. Ce final on Hendrixen. Tiens, hop. Toujours aussi efficace. Mais bon, Oh le bâtard! Ah bah, la défense reste quand même colossale. Hein. Ah, le petit Hendrixen, je me demande à quoi il sert. Ah bah, je suis mort. Ah bah, je suis mort. Ah bah. Mais dites-moi, mais c'est que je suis mort? Non, je rate! Ah non. Oh là là. Ah, je suis mort. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être tendu. Alors on va essayer une fois et si j'y arrive pas, et ben je le ferai en off. Mais en tout cas, c'est chaud parce qu'on a direct moins de points de vie que lui. J'aurais bien aimé un allié là pour le coup. Un allié aurait été très sympa. Putain le bâtard. Oh, je mets rien. C'est du délire. Bon. Quoi? Oh. Putain, sérieux quoi. Waouh, ça va être chaud de le battre. Hein. Ça va être très très tendu de le battre. Je crois qu'il va me falloir plus de vie en fait. Ou bien faire un combat parfait là. Ah d'accord, ça sert à ça, c'est merde. Ah putain. Tiens, frappe. Non. Oh, ça fout les boules. Ah putain, bah. Ouais. Ok, bah il est infaisable. Clairement, 28 000, vous voyez la différence, les amis. Il a même pas claqué son multi. Hein. Non, bah il est infaisable, clairement. On va se le mentir. Hein. Bon, bah les amis, Ellipse, je vous le dis si j'y arrive ou pas. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, les amis, je l'aurais battu. Waouh, qu'est-ce qu'il aurait été dur. Mais je vous cache pas, franchement, j'ai fait 5. J'ai fait 5. 5 essais pour le battre. Il y en a un des 5, il était à 340 points de vie, donc ça dit rien du tout, à une miette de points de vie, un chouïa, et il a réussi à me tuer, mais putain, qu'est-ce qui fait mal, c'est incroyable, la différence de points de vie surtout, c'est wow, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc voilà votre péché, Hendrixen vaincu après qu'il a atteint la puissance du démon gris.
Mais du coup, ouais, franchement, le fait qu'on a 25 000 points et lui 50 000, c'était affreusement chaud. Mais après, c'est un peu de ma faute parce que l'arbre, si je l'augmente l'arbre, si. Voilà, si je fais toutes les quêtes secondaires, Melodias, il a bien plus que 25 000. C'est ça le truc en fait. Mais je suis content de l'avoir réussi à une difficulté plutôt dure. 25 000, c'était très chaud hein, pour le coup. J'ai dû vraiment jouer à un niveau là auquel je n'ai jamais joué. Vous ne m'arrêterez pas. Mais c'est Melodias. Elisabeth. Ok, tu n'as pas le droit de me quitter à moins que je ne te renvoie. Qui va nettoyer le reste si tu pars? Reviens. Si tu reviens, je te donnerai 3 fois plus de reste. Tu as intérêt à tenir parole. Un petit Hawk. Hawk, tu es vivant? Je suppose que oui. Tu t'es vraiment surpassé, crétin de cochon. Je peux en dire autant pour vous, messieurs Melodias. Vous allez toujours trop loin pour les autres. Auparavant, plongé dans les ténèbres par l'ambition de deux généraux des chevaliers sacrés, le royaume connaît de nouveau la paix et brille du sourire enfin retrouvé par son peuple. Ainsi, mes aventures aux côtés de Messire Melodias afin de trouver les sons d'Elysine ont pris fin. Mais je ne les oublierai jamais. Toute la douleur, la joie, la terreur et le bonheur qu'elles m'ont apporté. Tout ça fait désormais partie de souvenirs. Les souvenirs de Melodias et de tous nos amis. Bien. Bah voilà, je pense qu'on a fini le jeu, les amis. Et ouais, voilà, nous avons fini le jeu. Seven Deadly Sins, Knight of Britannia. Donc du coup, il nous manque un Seven Deadly Sins, justement, c'est ce que je me demandais. Est-ce que le jeu allait aller jusqu'à la saison 2? Eh bien non, tout simplement. Il va pas jusqu'à la saison 2. J'ai envie de dire tant mieux, parce que j'aurais pas voulu me faire spoil pour l'arrivée d'Escanor, du 7ème Seven Deadly Sins. Mais vous inquiétez pas, le let's play va continuer encore un peu, les amis. J'ai envie de faire les quêtes secondaires avec vous. Mais voilà, le SP va continuer mais de manière plus cool. Et ouais voilà, bah, après il va plus durer très longtemps hein, niveau 4 secondaires, je pense qu'on n'a pas des masses à faire non plus, hein. C'est pas un Zelda Breath of the Wild ou ouais c'est un SKU d'origine. Hein. Donc voilà, encore je pense 4 épisodes peut-être. Et encore je vois large, hein. Mais je dirais 4 épisodes. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir cet arbre de compétences à 100%. Ça serait très sympa. Après voilà, on verra bien. Après on verra bien, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est un jeu que j'aurais plutôt bien aimé dans l'ensemble. Le seul souci, c'est que ça manque clairement de cinématiques ou d'images un peu à la style de Sword Art Online. Vous voyez les images dessinées là, figées. J'aime beaucoup. Et voilà, ça manque de cinématiques. Graphiquement, il est plutôt potable, mais bon, le graphisme, voilà, c'est pas encore ça. Hein, les graphismes des animés. Encore ça, je peux pas encore dire que ça soit beau en fait. Le graphisme en animé est largement mieux que le graphisme en jeu vidéo, quoi. On va pas se le cacher, on est encore loin. Mais voilà, ça reste quand même un très bon jeu. Alors, franchement, si je vous conseille ce jeu, achetez-le juste pour le gameplay en fait. Parce que l'histoire, bon, il n'y a rien de nouveau, voilà. Donc, j'espère que dans l'avenir, j'espère que s'il y a un prochain Seven Deadly Sins, ça serait cool une histoire inédite, même si j'y crois pas, mais bon, il y aura très certainement un Seven Deadly Sins où il y aura la saison 2, je pense. Donc la saison 2 va faire 25 épisodes, pour ceux qui ne le savent pas, les amis. Donc, ouais, s'il y a un Seven Deadly Sins 2, hein, je vous le ferai, il n'y a pas de souci, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Il aurait été très sympa, bon après, aucune surprise, vu que je connais l'animé, hein, j'aurais eu aucune surprise, voilà. Hein. Ça manque d'émotion, c'est dommage. Par rapport à l'animé, ça manque vraiment d'émotion, mais sinon en soi le jeu est sympathique. Par votre étreinte acérée, par votre baiser alénant, délivrez-vous, délivrez-les. Goûte étincelante qui renferme le pouvoir de Hadès, libérez les démons du maléfice. Émergez des frontières de l'éternité, des confins de l'oubli, sortez de votre sommeil infini. Disparaît. Sortilège immaculé. Ils ont été libérés. Ça, c'est la saison 2, mais est-ce que ça a continué? Mes chers compatriotes, comment allez-vous depuis 3000 ans?
Un résultat de combat. Ah, j'aurais eu le rang S quand même. Ah, j'ai fait clairement un beau combat, les amis. Hein. J'étais en sueur. Il se trouve, j'ai un chevalier sacré. Oui, ok. Ouais. Vous connaissez l'histoire du garçon fée de la géante qui vivait dans la grotte. Tu parles d'un couple étrange. J'ai réussi à avoir l'entraînement des chevaliers sacrés. Je ne suis pas prêt d'oublier ce que j'ai eu. Vous n'entendez pas moins de la capitale des Lyonnais. Elle a la classe, la bouffe à mourir. Je pourrais m'en gaver. Vous savez, pour Vania, ils ont encore des ennuis. Ah, et bien que la paix, on ne peut en dire et continuer un chevalier, il faudra du temps. Être projet 2424, est-ce vraiment obligatoire pour une femme? On doit s'assumer, j'ai lu ça quelque part. Il y a une prison réservée aux chevaliers qui ont violé leur code et quelqu'un en serait récemment échappé. Certains pêcheurs sont partis à la dérive, ouais, ok. Géant en armure d'Ordane. Il y a eu le géant en armure d'Ordane, ah oui. Dieu, il y a beaucoup de trucs là. C'est quoi ça? Des quêtes annexes? Mais ça s'arrête plus! Dieu! Avez-vous senti le tremblement de terre de l'autre jour? C'était un phénomène sans la libération des démons. Hendrickson est donc probablement encore en vie. Mais Hendrickson n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est qu'il a libéré de terribles créatures. Les 10 commandements, la troupe d'élite du roi des démons. J'ai besoin de prendre un air si sérieux, Captain? J'ai dit à Arthur que je le laisserai seul quelque temps. Dans l'immédiat, Merlin, un sanglier de la gourmandise, réintègre les Seven Delicy. Ah bah c'est super! Nouvelle quête secondaire, waouh, il y en a plein! Waouh! Beaucoup de quêtes! Bon bah on fera tout ça, les amis. Hein. Déblocage de démon gris Hendrickson pour un duel. Merlin, ton entrée dans l'équipe nous fournira de meilleures options tactiques. Le sanglier de la gourmandise. Et voilà, le 6ème Seven Delicy nous rejoint. Merci. Je ne te décevrai pas. Ce sacré gozer. Ce gozer. Bon, bah du coup voilà hein, pour cet épisode final. Mais bon, comme je vous le dis, c'est pas la fin. Voilà, nous en manque toujours un. Ah bah du coup, nous en manque toujours un. Certainement en quête secondaire. On va juste regarder, voir si on voyage. Oh, c'est quoi cette merde? Combat 28. Un démon rouge. Ah ouais. Ah oui, il y a du gros combat. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Bon, on va voir, c'est quoi toutes ces quêtes? Ban en train de picoler là-bas. Non, y a rien. Et il nous manque une quête annexe et une quête principale, les amis. Ah, du coup, c'est pas vraiment fini. Bon, je vais pas marquer l'épisode final, hein, mais... parce que je crois qu'il nous reste encore plus de 5 épisodes au moins. Donc, je vais marquer épisode normal. Hein. Je marquerai pas le final, les amis, mais voilà. Dites-vous que les grandes lignes du jeu sont faites, en fait. Là, on va essayer de voir la suite. Voilà, j'espère que ça aura plu. Merci à regarder et à très vite pour la suite. Bye tout le monde! Et n'hésitez pas bien sûr à rejoindre mon Facebook et à partager la vidéo et à mettre un like, ça me fera extrêmement plaisir. Bye bye!